Pauvre tante Franck. Ce que tu attends là. Laisse-moi entrer. Ok. Laisse-moi corriger cette pute comme elle le mérite. Ok. Serait partie d'une sous-tension électrique dont signale plusieurs dégâts sur le plan matériel et pas de pertes en vie humaine. Actuellement, les 20 familles sans abri méditent leur désarroi à la belle étoile en attendant des âmes de bonne volonté et des bienfaisances à faire. Je sais qu'elle est ton amie, mais tu sais toi-même ce que j'éprouve pour elle. C'est une vaillante chrétienne. Enfin, je ne sais pas ce qui te pousse à défendre cette femme. J'irai me laver ailleurs à une condition. Si tu acceptes de prendre ce gibier. Le voilà. Salut. Ok. Mais j'ai dit que je prends le gibier, non? Prends-le et pose-le là. Prends-le et pose-le là. C'est un pangolin. Qui en est mort? Sabina, j'ai trouvé mon serment. J'ai trouvé mon serment. Ok. Tu ne dis rien. Coupé. Voir la nudité des femmes des autres dans ce village. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tous les gens de ce village vont aussi voir la nudité de sa femme. On verra bien. On va voir. Tu n'as même pas honte. Hein? Tu n'as pas...
cherche à nourrir. Tu vas encore me ramasser une personne. Tu vas même voler mon mari en chat pour aller lui donner. On va voir ça. Mais là, moi, je te dis, je vais te faire ce qu'on ne t'a jamais fait. C'est coupé. C'était le son seul de la machette, épisode 17, scène 3. Disparaît. Bon, là, c'est les plans là. Martina. Chaque fois ici. C'est nous qui avons soif. Ça, c'est toi. Ok. C'est ça la récompense. Pas tout ce que j'ai fait sur toi. Non. Maintenant, je prends les choses. Pour aller donner à mon corps. Va chez toi. Je ne peux plus te voir. Va-t'en. Ça, c'est même quoi. Avec mon argent, va rester chez mon corps. Fous-moi le temps. Fous la paix. C'est ça ta récompense. C'est ça ta récompense. Tu es venu me ruiner. Va chez toi. Je ne veux plus te voir. Ne remets plus jamais les pieds ici. Okay. Tu comprends? Ne remets plus jamais les pieds ici. Regarde-moi ça. Quelle Martina? Martina Nkwando. Tu l'as bien regardé? Ça, c'est mon couche. Et ça, tu l'es parti. Okay. Ramasse ton canard. Lâche-toi. Qu'est-ce qui se passe même au village? Non, la nourriture du matin, là, me fatigue trop. Mais j'ai déjà réchauffé. Comment tu dis que tu ne manges pas? Après. Depuis quand? Ferme-moi, Sabine. Sabine. Pourquoi le témoin ne donne pas? Nuit, on t'affile. Merci, c'était le son d'ambiance nuit. N'tafile. Tu sais, moi je me souviens toujours de tout ce qui est beau. C'était vraiment joli. Et tu ne peux pas savoir quel effet ça m'a produit ce jour-là. C'est-à-dire, imagine un peu quelqu'un qui se trouve dans un train et qui circule sous un tunnel. Après des heures et des heures, sans rien voir d'autre qu'un paysage gris. Hein? Tu vois ça? Et subitement, le train sort du tunnel. Et c'est plein de fleurs, de couleurs, de soleil. Je t'assure que c'est l'impression que j'ai ressentie ce jour-là. Et tu vois, jusqu'à aujourd'hui, je m'en souviens comme si c'était hier. Et même que j'ai été jaloux de Ntafil. Jaloux de Ntafil? Oui. Et pourquoi? Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est-à-dire, je le voyais là se pavaner à côté de toi et moi j'étais obligé de freiner mes ardeurs. Tout simplement, j'étais jaloux de lui, oui. Parce que lui seul avait le droit de toucher une telle merveille, d'enfoncer ses doigts dedans autant qu'il le voulait. Heureusement, aujourd'hui, moi aussi je peux les toucher. Ne serait-ce que pour dégager tout ceci. Voilà, ça y est. Papa.
c'est ça? Enga, c'est ça? Maman. C'est ça? Maman. C'est toi? Oui. Ici là, avec Enga. Viens. Oui. Viens ici. Viens ici, Bernadette. Oui. Je te dis de venir, on va voir ça. Oui. Viens. Viens. À nous deux. À nous deux maintenant. Attends. Tu oses me faire ça? Non. À moi ton frère. C'est pas ça. À moi ton ami. C'est pas ça. Moi ton ami. Que tu crois? Enga. Non. Que je te dis, Enga. Que je te tue. Sans seul et bas, épisode 27, scène 3. Sabine. Ah, Sabine. 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 Serre-moi. Ah, Sabine. Là-bas. Voilà. Sabine. Sabine. Avec un beau sourire. Maman, lâchez la finie. 18 enfants. Je suis le chef de ce village. N'est-ce pas? Nous pouvons rencontrer le nommé Zhang Isidore. Zhang. C'est vous, monsieur Zhang Isidore. La nommée Elundum Bia Brigitte vous a porté plainte pour coups et blessures. À qui est-ce? À Martine. À chef de puits là. Vraiment? Nous sommes là pour un complément d'enquête. Suivez-nous. Ok, juste là. Non, attendez. Chef. Chef. Maman, mon écran. Non, chef. Vous m'intéressez. Maman, pas bien. Doucement. Vous faites ce que le chef a dit. Attendez. Ah, vous m'intéressez. Nous n'avons pas que ça à faire, monsieur. Martina. Voilà. Il est battu. Dérange pas les gens ici. Qui est mort? Où est-ce que Brigitte est partie? Écoutez, vous êtes chez moi. Comme vous me prenez à titre de brosse à dents dans ce village, voilà un exemple. Voiture de c'est la mer. Ces bruits. Laisse-moi, c'est un habitant du village voisin qui arrive à l'instant même et nous annonce qu'Enga est en train de mourir. Hey! Oui, il est à l'hôpital depuis hier. Enga. On ne sait même pas s'il va vivre. Le sang lui coulait de partout, du nez, des yeux. Il a les blessures partout sur la tête. Le sang. Fait, des blessures. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est battu. On l'a battu. Oui, on l'a battu. Okay. Et vous savez qui l'a battu? Non. Sa femme est Bernadette. Allez!
Au lieu de venir me demander de payer, tu ferais mieux de me féliciter parce que je t'ai donné un coup de main. Tu m'entends? Et puis cesse de déranger les gens chaque jour. Hein? Parce qu'un jour, quelqu'un va te casser la gueule parce que tu es venu lui demander de payer. Hein? Ok, allez, tu vas reprendre. Hein? Oui, il faut partir du village. Oui, c'est ça. Okay. Tu relances, c'est ton dernier moment. C'est ton dernier mot. Ce n'est peut-être pas tout. Mais si le fait que je t'ai coquifié t'embête, te dérange, tu peux partir du village. Mais ce n'est pas la solution idoine. Ça ne résout pas le problème de fond. Ce que je peux te conseiller, c'est de mettre un cadenas entre les jambes de ta femme. Comme ça, tu seras plus tranquille. Parce qu'un jour, quelqu'un va te casser la gueule, malgré ta vieillesse. Paye-moi ceci, paye-moi cela. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Là, quand on sentait bon, c'était à deux. Tu sentais bon avec qui? Seul. Tu sentais bon avec maintenant, qui? Maintenant, je suis dans les problèmes, je suis la seule. Tu ne peux rien faire. J'ai vu hein, que Inga? Tu n'as pas nié les faits devant l'Assemblée? Inga, propre bouche. Inga. Inga, tu n'as pas honte. Laisse-la tranquille. Comme tu veux nous faire quelqu'un, tu veux nous faire toutes les deux, mais dans le cas, tu veux nous faire toutes les deux. De chanter. Merci, merci, Seigneur. Bonjour, Sabine. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Hein. Je ne pensais pas que je pouvais te trouver ici. Et pourquoi? La rivière, c'est pour tout le monde. Mm-hmm. Attends.
Apparemment, tu n'as pas peur qu'on soit ici tous les deux comme ça. Et pourquoi est-ce que j'aurais peur? Ah, tu sais, les gens pourraient parler, hein. Et qu'est-ce qu'ils diraient? Oh, des choses et d'autres. Par exemple, que toi et moi, on... Enfin, tu comprends. Mais toi et moi, nous savons que c'est fou, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi se faire des soucis? Dans tous les cas, les gens parlent toujours. Alors, il faut les laisser parler. Et ton mari? Quoi, mon mari? Ça ne pourrait pas lui plaire. Ouvre grand tes oreilles et enregistre ce que je vais te dire là. Ce qui se passe entre mon mari et moi ne te regarde pas du tout. Mais alors pas du tout. Et puis, mon mari m'aime profondément et je l'aime de la même manière. Donc arrête de me poser ces petites questions là. Allons boire une bière. Enfin, tu pouvais envoyer un enfant, on la boirait carrément. Non, allons au bar du village. C'est... Faut que les gens Martine. Hein? Les gens nous voient encore ensemble. Tu as raison, vieux frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, toque là. Hein? Oh, ah.